On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de projets d'art dans les centres d'hébergement. Vous savez, très souvent, on dit à l'hôpital ou encore dans les centres d'hébergement, les CHSLD, l'ambiance, parfois, les murs sont gris ou jaune pâle. C'est pas très, très joli. C'est pas très, très vivant. Eh bien là, il y a un projet via la Fondation de l'art pour la guérison qui vise un peu à mettre un peu de cosmétique sur les murs avec de l'art, avec des toiles, avec des objets. Bref, c'est un projet qu'on a fait d'ailleurs dans trois centres d'hébergement sur le territoire et il en reste trois autres où on va le faire aussi. Donc, c'est très, très, très intéressant et les œuvres d'art sont choisies par les résidents eux-mêmes. Mais d'abord, on reçoit le nouveau maire de Carignan qui nous parle de l'avenir et des enjeux de sa municipalité. Depuis les élections municipales de l'automne dernier, on a reçu ici même, à cette émission, plusieurs maires qui ont été soit élus ou réélus dans certains cas. Maintenant, c'est au tour de la ville de Carignan avec son nouveau maire, M. René Fournier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Carignan, on semble parfois l'oublier, mais c'est un territoire immense. Et au fil des ans, il y a eu du développement domiciliaire également chez vous. Je ne sais pas combien de population vous êtes rendu. On est rendu à 8000 et quelques de population. Est-ce que Carignan, à quelque part, souffre un peu de... travaille un peu, je dirais, dans l'ombre de Saint-Jean et de Chambly? Alors pourtant qu'à 8000 citoyens et un territoire aussi vaste et aussi près de Montréal, quand même des avantages assez majeurs. Là. Oui, on est très bien situé au point de vue géographique. On est en fait quand même une ville, même s'il y a 88% qui est en territoire agricole. On est quand même une ville. Et avec tous les avantages de la ville, sans avoir les inconvénients de la ville. Bon, à titre de comparaison, avant la fusion municipale, la ville d'Iberville comptait 9000 habitants. Ça vous donne un peu, sauf qu'évidemment, Iberville était très urbanisé, là, presque pas de territoire agricole, était enclavé par Saint-Athanas qui faisait un grand U. Puis en quelque part, Carignan, c'est un peu ça, c'est un gros U qui vient, dans le fond, ceinturer la ville de Chambly. Absolument. Et ça l'entoure si bien que lorsqu'on suit le Richelieu, on passe de Carignan à Chambly, puis on retourne encore à Carignan, ensuite à Saint-Jean. L'Île-Goyer, absolument. Bon, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de poser votre candidature à la mairie cette année? Bon, ça fait déjà deux termes où j'étais comme conseiller. Je travaillais comme conseiller, j'étais conseiller du district 1, ça veut dire l'Île-Goyer et l'Île-de-Mers. Et bon, ça n'allait pas à mon goût. Je rouspétais tout le temps. Et je me suis dit, bien, tant qu'à rouspéter, aussi bien de me plonger et de... Deux choix. C'est ou bien on chiale ou bien on y va. Absolument. Ça? Et on a décidé d'y aller avec une équipe absolument extraordinaire. D'ailleurs, tout le monde a été élu, sauf une personne. Et de peu, de quelques voix. Et avec cette personne-là, les relations sont relativement bonnes? Ça va bien? Celle qui est restée? Oui, tout à fait. Okay, tout à fait. D'ailleurs, ça fait une vingtaine d'années qu'il est là. Lui. OK, donc vous le connaissez de longue date. On le connaît de longue date, puis non, c'est un gars charmant. Parce que moi, vu de l'extérieur, c'est ça qu'on parle beaucoup de Saint-Jean, parce que bon, c'est la grosse ville sur le territoire, puis on le sait, nous, la télé du Richelieu, on dessert également Chambly et Carignan pour les abonnés à Vidéotron. Exactement. Et au fil du temps, quand je regarde un peu l'actualité à distance du côté de Carignan et de Chambly, l'actualité politique, j'entends. J'ai souvent vu à distance des déchirements, puis des petites chicanes, puis des ci, puis des ça. Puis même, j'en parlais avec le maire de Chambly, Denis Lavoie, l'autre jour, lorsqu'il a été réélu. Puis là, il m'a dit qu'il était super content de votre élection parce qu'il dit enfin, il dit lui, je m'entends bien avec lui. Effectivement. Donc, parce que l'harmonie Carignan-Chambly, ça n'a pas toujours été le bonheur. Et depuis assez longtemps. Assez longtemps. Ouais. Alors, d'ailleurs, j'ai fait. On a fait notre publicité électorale sur ces sujets-là en disant « Je vous apporte la paix et l'harmonie ». Et effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. J'espère que ça va durer longtemps, pas seulement avec la ville de Chambly, mais avec les villes alentours. Mais moi qui connais moins Carignan et Chambly, comment on peut expliquer, ou c'est peut-être des conflits de personnalité aussi, mais qu'est-ce qui peut faire que dans les 10, 15, 20 dernières années, on a toujours eu l'impression que Carignan et Chambly étaient un peu à couteau tiré? Pourtant, ces deux villes-là devraient travailler main dans la main. Bon, je sais que la dernière mairesse de Carignan ne s'entendait vraiment pas avec le maire de Chambly, le maire actuel, qui lui était réélu, mais pas elle. Et c'était vraiment une guerre ouverte. C'était,
Je me demande s'il ne se levait pas la nuit pour... pour haïr l'autre. Éventuellement. Enfin, je ne veux pas. Mais ça nuit, ça. Ça nuit à Chambly, ça nuit à Calumnia, ça nuit à tout le monde. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'en apportant la paix et l'harmonie, je pense que tout le monde va être gagnant. Et toutes les populations de ces deux villes-là. Est-ce que Carignan actuellement bénéficie, bien paix, là, mais bénéficie quand même de plusieurs services municipaux, des ententes avec Chambly? En fait, la guerre était telle, au dernier conseil, qu'on a perdu la piscine, qu'on avait la piscine de Chambly. On a perdu la bibliothèque, les cours de tennis, et même les pompiers, on a il y a eu une coupure, hein, c'est ça? On a dit qu'on ne renouvelle pas l'entente actuelle avec les pompiers. Mais c'est réglé maintenant. OK, donc c'est Chambly qui dessert Carignan ou maintenant, c'est une entente? Bon, avant ça, il y avait une entente où Chambly et Carignan, mais on n'était pas égal-égal. Chambly avait peut-être, je ne sais pas moi, 75%. Mais Chambly est rendu à peu près quoi, 28 000 de population? Oui, c'est ça, 28 000 et quelques. Ouais. Donc, on n'était pas de force égale. Et c'est sûr que lorsqu'on prenait un vote, bien, 75-25, il n'y avait rien à faire. Or, le maire de Chambly et moi, nous sommes assis ensemble et on a réussi, je pense, assez bien, de refaire une association. Mais ce n'est pas une association. Chambly, on achète les services d'incendie de Chambly. Et c'est correct, ça fonctionne. Parce que sinon, quoi, dans les dernières années, c'était des pompiers volontaires de Carignan qui faisaient la desserte? C'était, on avait une sorte d'entente où les deux payaient conjointement, mais pas à bord égal, évidemment. Pas à bord égal aux proportions proportionnellement à notre population. Ouais. Et comme, de toute façon, même, comme je disais tantôt, on votait, on était à deux paliers différents. Alors, on a décidé de dire « Parfait, OK, alors on achète un service. » Si bien que vous vous arrangez avec ça, on achète, bonjour, merci. Et l'étude qu'on avait faite, c'est que le groupe avant moi avait déjà fait des études pour faire pour Carignan leur propre système d'incendie, service d'incendie. Or, l'arrangement qu'on a fait actuellement avec Chambly nous fait économiser entre 300 000 et 400 000 $ par année. Ça paraît. Ouais. Ben oui, ça paraît. Et on n'aura pas, à faire un règlement d'emprunt. Bon. Et là, si je suis votre logique, est-ce qu'il est dans vos intentions d'éventuellement peut-être renouveler des ententes de service pour la patinoire, pour la piscine, pour les bibliothèques? Est-ce que c'est dans votre plan de match? J'ai déjà posé la question au maire de Chambly. Bon. Pour la piscine, je pense pas. On a dit c'est complet. Pour la bibliothèque, on me dit bien, il y a une autre bibliothèque éventuellement que Chambly va faire, mais c'est pas encore fait. Et actuellement, semble-t-il que c'est aussi complet. Et on m'a dit également que même s'il y avait une grande bibliothèque, que c'était peut-être pas le même prix qu'avant. Or, l'ancienne mairesse a fait quelque chose de bien en faisant une association avec la ville de Longueuil. Saint-Hubert, le district de Saint-Hubert, qui est tout à côté, où il y a une magnifique bibliothèque et où les gens de Carignan peuvent aller et ils sont fiers de la chose. Et... C'est quoi le défi à Carignan pour les années à venir? Est-ce que c'est... Avez-vous encore beaucoup de terrain disponible? Est-ce que vous devez gérer une croissance, une explosion démographique? Il y a encore du terrain disponible qu'on commence à construire, là. Mais il y a quand même la grande proportion des taxes qui doivent être payées par des résidents ordinaires. Or, ce qui s'en vient, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est afin de diversifier l'assiette fiscale, de donner un nouvel allant au commerce et aux certaines industries. Bon, par exemple, au nord, au sud de la 10, juste lorsqu'on arrive à la Bretelle où on peut aller à Saint-Jean ou Chambly, il y a quelques industries qui sont déjà là, avec une fenêtre absolument extraordinaire sur l'autoroute 10.
Donc, pour vous, ça, c'est une zone de développement, ça? Ça, ça serait une zone de développement éventuel. Pour augmenter la part de taxes là, des industries. Ah oui, ce que l'industrie, le commerce va payer, on n'aura pas, en tant qu'individu, à le payer. Donc, ça va diversifier l'assiette fiscale. Actuellement, vous gérez un budget de combien de millions? 12 millions. Alors 12 millions. Ouais. Mais majoritairement, les revenus viennent des propriétaires de maisons. Là. Absolument. Et aussi, pour ce qui est du commerce, bien, le long de la 112, il y a déjà un paquet de commerces qui sont déjà installés là. Il y a eu le démantèlement du marché aux puces. Oui. Alors, bien, c'est. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de plus esthétiquement joli à cet endroit-là. Il n'y a encore rien de défini, mais c'est quand même un endroit où il y a un paquet de commerces qui peuvent s'établir. Et tous les îlots déstructurés qu'on a le long de cette route-là pourraient être jumelés ensemble pour en faire une sorte de Avez-vous aussi des défis en matière d'infrastructure? Parce que quand on a plus de maisons, parfois il faut faire du surdimensionnement, ça prend des tuyaux, hein, l'égout, l'aqueduc et tout ça. Bon, les défis qu'on a à Carillon, c'est justement notre problème d'étendue. Vous êtes tellement vaste. On est vaste et souvent il faut passer au travers d'une autre ville avant d'aller chercher nos d'autres bouts de terre qui est plus loin. Bon, par exemple, passer au travers Chambly, bon, ce qui est plus onéreux, ce qui est plus difficilement aussi réalisable. Mais on a certaines ententes. Par exemple, avec la ville de Longueuil, on distribue en eau et en égout tout le côté qui touche Saint-Bruno. Ouais. Bon, eux sont déjà installés avec ça. De l'autre côté, on a la Secto qui distribue l'eau aussi sur le chemin Sainte-Thérèse, par exemple. À certaines maisons. Bon, je pense qu'on ne pourra pas tout faire cette rue-là. Et on a aussi notre propre usine qui distribue l'eau dans le restant de Carillon. Avez-vous un enjeu également au niveau de la desserte policière? Parce que le maire de Chambly, Denis Lavoie, nous disait en entrevue ici que, un, il n'était pas convaincu de renouveler l'entente avec la régie actuelle, que, deux, ça coûtait pas mal cher, puis que, trois, même, il voulait demander à Michel Fecteau de Saint-Jean s'il y avait une ouverture pour voir si Saint-Jean ne pourrait pas couvrir Chambly. Est-ce que pour vous également, c'est un enjeu, le coût que vous devez payer pour la desserte policière? On fait partie de la même régie actuellement. Et si Chambly décide de se retirer de cette régie-là, bien, la régie explose. Ah ouais. La régie est à refaire d'un bout à l'autre. Est-ce que Chambly va continuer dans cette même ligne-là? Est-ce que Saint-Jean va accepter Chambly ou Carillon ou Richelieu ou Saint-Mathias avec eux? Est-ce que la régie va continuer à peut-être négocier avec Chambly pour intégrer tout ce monde-là? Tout est sur la table. Tout est sur la table actuellement. Et aussi loin que même l'appartenance à la MRC actuelle? Pour Chambly, peut-être, mais pas nécessairement pour Carillon. Pour moi, on n'a pas encore pensé à ça. Bon. Vous êtes un natif d'Iberville? Ben oui. Je suis né à Iberville. Vous avez transité par Saint-Jean, puis vous avez atterri à Carignan, c'est ça? Oui. En fait, j'avais un commerce d'automobile. J'ai été concessionnaire d'auto pendant 30-35 ans de ma vie. Mm-hmm. Avant ça, à Iberville, j'avais une librairie qui s'appelait Au cas d'autre choix. Et j'ai commencé à faire mes armes dans le commerce à ce moment-là. C'était ma mère qui était la propriétaire. Et graduellement, bien, ils me payaient en part. Ça ne me coûtait rien rester chez mes parents. Donc, un jour, j'ai eu pas mal de parts. Et il y a un gars de Saint-Jean nommé André Fortin qui m'a dit « Aimerais-tu acheter de la moitié de ma compagnie? » J'ai dit « Oui, parfait. » C'était une petite compagnie d'automobiles. Alors, j'ai vendu mes parts de la librairie pour acheter les parts d'automobiles. Et ensuite, j'ai racheté l'autre 50 % des parts. Et on a vendu des Jeeps toujours. Maurice, Austin, MG, Triumph, Rover, Jaguar, Volvo, Saab, American Motor, Renault puis Chrysler. C'était suivi l'industrie, en fait, du coup. Monsieur Fournier, merci beaucoup puis bon mandat à Carignan. Ça m'a fait plaisir. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un projet d'art dans les centres d'hébergement. We'll be right back.
nous parle maintenant de projets d'art dans les centres d'hébergement de la région ici de Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Frédéric Dionne, qui est conseiller en milieu de vie au C3S au Richelieu-Rouville. Bonsoir. Bonsoir. De même que M. Earl Pinchuk, qui est de la Fondation de l'art pour la guérison. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Je vais commencer avec vous, M. Dionne, parce que, bon, ici même au C3S au Richelieu-Rouville, vous avez 6 centres d'hébergement. Donc, je ne sais pas, au total, ça contient combien de lits, combien de personnes au grand total? Un petit peu plus que 600 lits. 600 lits, donc c'est quand même pas mal de monde. D'où est venue l'idée, parce que vous êtes conseiller en milieu de vie, d'implanter des projets d'art à l'intérieur des centres d'hébergement? On recherchait une façon de décorer les corridors de nos centres qui est un petit peu gris, on peut dire ça comme ça. Et puis remettre un petit peu de vie dans nos centres. Donc, la directrice de la Fondation Santé nous a mis en lien avec la Fondation d'art pour la guérison, puis ils nous ont subventionné notre premier projet. Là. Et le premier projet remonte à? Au mois de juillet l'an dernier, au Centre Champagnat. À Iberville. Exactement. Bon. Monsieur Pinchuk, parlez-nous un peu de votre fondation. Je ne la connaissais pas, la Fondation de l'art pour la guérison. Qu'est-ce que c'est? Exactement. La Fondation de l'art pour la guérison a commencé en 2002. Suite à un événement qui était arrivé à mon conjoint Gary Blair et moi à Montréal en 2001. On avait un ami qui était malade dans un hôpital à Montréal. On a vu que les murs étaient vraiment dénudés et tristes dans l'hôpital. Puis nous autres, on connaissait beaucoup d'artistes, puis on voyait qu'il y avait beaucoup de l'art à Montréal. Puis on disait, mais peut-être qu'il y a une façon de marier les deux mondes ensemble. Puis on avait lancé l'idée en 2002. Puis maintenant, nous sommes partout au Canada. Wow. Dans 59 institutions, on avait installé 8500 œuvres d'art dans ces institutions. Alors, on peut dire que c'est important, la qualité de vie est très importante dans ces institutions et c'est ajouté par des œuvres d'art. Comment expliquez-vous le succès de la Fondation? En si peu d'années, être arrivé à rayonner partout au Canada, c'est quand même un fait d'armes important. Je peux dire que c'est la puissance de l'art qui parle dans toutes ces institutions. Je peux dire que moi et Gary, oui, on a travaillé fort, mais la réponse de la communauté était incroyable. Soit des artistes, soit des collectionneurs d'art, même des universités qui toutes ont donné les œuvres d'art. Tout est donné aux institutions. Wow! Et c'est une fondation, comme j'ai dit, que je ne connaissais pas. Vous dites que vous avez été mis en lien par la directrice de la fondation. De quelle façon ça s'est matérialisé du côté de Champagnat, ce projet-là? On avait une rénovation majeure à Champagnat. Oui, on avait retiré des murs nos vieux laminés des années 80. Oui. Puis là, on avait repeint tous nos murs. Donc, on ne voulait pas réaccrocher des vieilleries, démodées, délavées. Donc, l'idée est venue, on recherchait des dons d'art, puis des dons d'art. Ouais. Et puis, dans le fond, lorsque l'occasion est arrivée, on a sauté dessus. Dans le fond, Gary nous a offert un catalogue Earl. C'est bon. Ben oui, excusez-moi. Est-ce qu'on peut couper ça? Ça arrive souvent. C'est pas grave. Earl nous a offert son catalogue d'œuvres qu'il y avait à ce moment-là. On a sélectionné, grâce à l'aide des résidents, les œuvres qui étaient le plus intéressantes puis le plus parlantes pour nos résidents. Donc, c'est vraiment les résidents qui ont choisi les œuvres. Puis, une fois que la sélection est faite, Earl vient, nous aide à les installer aux hauteurs idéal pour nos résidents, parce que la majorité de nos résidents sont en fauteuil roulant, donc on n'installe pas les œuvres à la même hauteur que dans une maison, par exemple. Donc, c'est vraiment des très beaux projets. Ce qui fait qu'à Champagnat, vous avez installé combien d'œuvres d'art dans l'établissement? Il y a 14 qu'on a fait à Champagnat. 14 à Champagnat. Ouais. Au centre Gertrude de la France, on en a 21. À Saint-Joseph, on vient tout juste d'inaugurer là-bas, c'était 17. 17 photos, oui. Oui. Et est-ce que l'intention est de continuer dans les autres centres, Georges Faneuf? On continue tant aussi longtemps qu'il y a de l'intérêt de la part des résidents. Mais c'est toujours gagnant. C'est toujours gagnant. Monsieur Pinchuk, est-ce que la Fondation était déjà présente en Montérégie ou sur la rive sud de Montréal? Non, c'est le premier projet qu'on avait fait, c'était à la résidence Champagnat. Ah oui, tout à fait. Donc, vous n'étiez pas présent sur la Rive-Sud, là? Pas vraiment, pas du tout.
Bon, c'est quand même intéressant qu'on puisse en bénéficier. Ouais. Bon, on le dit, c'est une fondation. De quelle façon est-ce que vous arrivez à financer tout ça? Bon, il y a des dons, les gens donnent leurs œuvres, les prêtent? Non, c'est donné. Ça veut dire que on peut voir quelqu'un qui appelle, qui a une dizaine des œuvres d'art, puis nous autres, on essaie de trouver une place pour les dizaines. Dès qu'on trouve une place, maintenant, c'est les résidences qui sont les propriétaires de ces œuvres. Nous sommes une organisation non lucratif, mais on n'a aucune subvention gouvernementale. Alors, c'est tout de l'argent privé qui paye pour ça. Et dans l'ensemble de vos projets au Canada, comme ceux qu'on voit ici, nous, à Saint-Jean et dans la région, est-ce que principalement, ce sont presque exclusivement des centres d'hébergement? Non, pas du tout. C'est toutes sortes d'institutions, soit des hôpitaux majeurs à Montréal, Toronto, Vancouver, soit des centres d'hébergement, soit des places pour des toxicomanies, partout, même une place qu'on avait fait pour des sans-abri. Je regarde d'ailleurs sur votre carte d'affaires, on dit Fondation de l'art pour la guérison. Nourrir l'âme, c'est lui donner des ailes. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Quand on regarde des œuvres d'art, ça nourrit l'âme. Ça, c'est la raison qu'on avait mis ça sur notre carte. Monsieur Diane, est-ce que déjà vous avez senti auprès des résidents des trois endroits que vous avez nommés tantôt, où on a accroché ces œuvres d'art, est-ce qu'on en parle? Est-ce que les visiteurs en parlent? Est-ce que les résidents… C'est instantané. Ça l'ouvre des fenêtres sur l'extérieur, c'est sûr. Quand c'est de la photo, le projet qu'on vient d'inaugurer à Saint-Joseph à Chambly, au centre Saint-Joseph à Chambly, c'est des photos de nature. C'est sûr que c'est vraiment la nature qui rentre dans le site. Quand on parle du centre Gertrude de la France, c'est des peintures, mais de la vie quotidienne là, du Canada, du Québec. Là. Ouais. C'est très parlant pour les résidents. Les résidents le verbalisent aussi. Ça a changé l'ambiance de l'unité. Ça l'a changé que ça avait de l'air. Ça met de la vie. Et on les installe à quel endroit? Dans des corridors, à la cafétéria, dans les lieux publics? Quels sont les endroits désignés? Pour l'instant, on fait des lieux communs. Cafétéria, salon, les corridors, bien sûr. On ne va pas dans les chambres des résidents. Là. C'est les places les plus fréquentées, que le plus de monde peut les apprécier. C'est plus joli que des laminés. Oui. Oui. C'est une drôle de mode, ça, dans les années 80. Je ne sais pas pourquoi on avait des cadres laminés. Là, ça a comme disparu. Beaucoup plus joli que ça. Puis tous les cadres sont vissés dans la mur. Alors, ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas être volé. Ah oui. C'est vissé en arrière. Donc, le principe, les gens vous appellent. Ensuite de ça, vous livrez un catalogue et les résidents choisissent? Oui, c'est pas vraiment un catalogue. Ça peut être des CD, des photos, des images que moi j'ai prises d'un artiste à l'autre. Ça peut être même un site web d'un artiste. Si c'est un photographe, on peut imprimer les photos qui sont sur le site web. Alors, on peut travailler comme ça, site web, photo, catalogue. Si un artiste a un catalogue, on peut travailler avec ça aussi. Et M. Diane, quand vous passez par le comité des résidents? Des résidents, ça se fait comment, la sélection? Dans le fond, les techniciens en loisirs, lorsqu'on a une présélection de fait, vont voir chacun des résidents qui sont capables de donner leur opinion de l'unité. On ne va pas au niveau du comité des résidents parce que c'est vraiment les résidents qui demeurent sur cette unité de vie-là qui sont consultés. Directement. Bon. Évidemment, si votre fondation a fait un peu boule de neige, là, ici, ça a porté fruit avec les projets actuels et les projets futurs. Est-ce que vous souhaitez ou est-ce que vous craignez encore une explosion et qu'il y ait d'autres C3S ou d'autres institutions et établissements qui vous contactent? Ça pourrait grossir encore. Non, moi, je suis prête pour tout le monde de me contacter. Si vous voulez mettre notre site web... Et mes coordonnées sur l'écran, il y a tout le monde qui peut nous appeler, surtout les artistes dans la région. Étiez-vous dans le domaine des arts auparavant? Non, juste un collectionneur d'art, c'est tout. Passionné de l'art, j'ai décidé à 39 ans de changer ma vie, de vraiment, ma passion était l'art. Alors, je pensais que mon destin était d'ouvrir une galerie d'art. Et dès que j'ai vu que les hôpitaux à Montréal étaient vraiment, vraiment laides, moi et Gary Blair,
qui est mon conjoint, on avait dit que Montréal n'avait pas besoin d'une autre galerie d'art, Montréal avait besoin d'une organisation pour apporter de l'art dans les hôpitaux. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi dans les hôpitaux on peinturait les murs gris ou jaune pâle, ça dépend. Ouais. Mais bref, ça donne un peu de couleur. On connaît les établissements et l'âge des établissements aussi. Donc, mais tant mieux si ça met de la gaieté dans la vie de nos résidents un peu partout. Donc, comme Exactement. Vous dites, ça nourrit l'âme. Ouais. Je vous dirais, par contre, faut pas passer sous silence aussi un autre projet qu'on avait fait avec les capteurs d'image, le regroupement des photographes de Saint-Jean, qui eux autres aussi nous ont donné une vingtaine, 19 photos qui ont participé eux autres aussi sous forme de sondage auprès des résidents. Puis ça a été un très, très, très beau projet avec une belle réussite. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci, merci à toi. Reste avec nous au retour, le Bavière quotidien. Lorsqu'il y a une opération déneigement, comment on s'informe? De plusieurs façons. Par téléphone, par SMS, par Twitter, par Facebook, par le site web de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on vous répète encore une fois toutes les façons possibles et inimaginables pour vous enquérir de cette information lorsqu'il y a une opération de déneigement et forcément une interdiction de stationner. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu avec des extraits des travaux du Conseil de ville. Vous avez l'horaire à l'écran. Également, vous rappelez qu'à tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 9, il y a 3 500 $ en prix via le télé-bingo et vous pouvez acheter vos cartes un peu partout sur le territoire des MRC, au Richelieu et Rouville. À demain. Bye-bye.